Donc, un petit rappel uniquement sur le microbiote, c'est que le microbiote, donc on va s'intéresser beaucoup plus au microbiote intestinal, mais le microbiote humain, il englobe tous les sites du corps sur lesquels on va retrouver des micro-organismes. Donc, parce qu'on va voir que ces micro-organismes ne sont pas uniquement les bactéries, mais on va avoir des champignons, des virus, des levures, etc. Donc, notre tube digestif, il contient pas moins de 10 puissance 12 jusqu'à 10 puissance 14 micro-organismes, et c'est 2 à 10 fois plus important que nos propres cellules, c'est-à-dire les cellules qui constituent notre organisme. Cet ensemble de micro-organismes qui résident, ou plutôt qui sont nos symbiotes, ils sont localisés un petit peu partout et en fonction aussi de notre âge, parce qu'un bébé, lorsqu'il naît, il est pratiquement dépourvu de tout micro-organisme. Les premiers micro-organismes qu'il va en coloniser, ce sont les micro-organismes de la maman qu'elle va lui transmettre soit par l'allaitement, soit par le baiser, par la nourriture, etc. Et parmi ces micro-organismes, on retrouve les bactéries, on retrouve des virus, des parasites, des champignons, bien sûr, non pathogènes, et tout ceci constitue le microbiote intestinal. Auparavant, on parlait ça, ou on parlait de flore intestinale. Donc, et au fur et à mesure qu'on avance dans le tractus digestif, à partir de la bouche et jusqu'à l'anus, donc les micro-organismes vont augmenter en fonction du pH, en fonction du pH de notre estomac, on a ici à peu près entre 10 puissance 1 à 10 puissance 4 micro-organismes. Par contre, lorsqu'on passe dans le duodénum, donc ceci évolue jusqu'à arriver au côlon où on va avoir un très grand nombre de micro-organismes. Et d'ailleurs, le côlon est considéré comme étant une grande cuve de fermentation. Donc, l'ensemble de ces micro-organismes, ils constituent un écosystème qui fonctionne comme un organe à part entière, donc, et qui est en étroite symbiose avec notre organisme. Donc, cette symbiose entre les micro-organismes et notre personne, tout simplement, on a longtemps, c'est-à-dire on a tendance à croire que les micro-organismes, on réfléchit toujours pathogénèse. Mais en réalité, ils sont très importants pour notre bien-être, à commencer par tous les phénomènes physiologiques dans lesquels, ou les fonctions de ce microbiote. Parmi les fonctions physiologiques, c'est qu'ils nous aident dans notre digestion journalière. Il y a pas mal d'aliments qui ne peuvent pas être digérés par les enzymes, donc gastriques. Et s'il n'y a pas coopération ou s'il n'y a pas mutualisation avec les bactéries, ces composés ne pourraient pas être réduits. L'exemple le plus simple, lorsqu'on prend un bol alimentaire riche en sucre ou en pentose, donc qu'on retrouve beaucoup plus dans les salades, tous les produits verts, si on n'a pas notre associé Escherichia coli, les aliments ne pourraient jamais être digérés. Donc, d'une part, la bactérie, elle va obtenir sa nourriture, et elle va nous fournir pas mal d'éléments qui sont très importants pour notre vie quotidienne. C'est principalement les vitamines, comme par exemple la vitamine B9, B12, etc. Mais à côté de cela, les bactéries aussi, elles sont responsables du métabolisme de toutes les molécules xénobiotiques, c'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas digérer et tout ce qui n'est pas métabolisé par notre système gastrique. Elles servent aussi de barrière aux pathogènes externes, mais aussi, le but de cette conférence, c'est notamment la maturation du système immunitaire. Cette maturation, elle débute juste après notre naissance. Là où on va avoir la colonisation de notre corps par ces micro-organismes, c'est là que le système immunitaire, en association avec les bactéries, va commencer à devenir mature. Donc, ce fonctionnement entre bactéries et système immunitaire est extrêmement dynamique grâce à un dialogue
qui va se faire entre les bactéries elles-mêmes et entre les bactéries et l'hôte. Et donc, dans ce type de communication est appelé cross-talk ou le quorum sensing, c'est-à-dire qu'on va avoir une communication, les bactéries vont se parler entre elles. Donc, là, j'ai une lumière de notre tube, ou plutôt au niveau de notre collant. Donc, on a les crêtes ici pour montrer ces espaces. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le microbiote, ou les bactéries qu'on retrouve juste au-dessus du mucus. Ces bactéries commensales, elles sont très bien adaptées à l'environnement intestinal et, comme je l'ai dit plus tôt, donc elles vont servir de barrière aux bactéries pathogènes. Tout simplement, comment vont-elles servir de barrière? Parce qu'elles forment un biofilm protecteur juste au-dessus du mucus bactérien, mais aussi parce qu'elles vont stimuler la production par les cellules dendritiques de notre épithélium intestinal de petites molécules qui sont semblables aux antibiotiques. Ces molécules, ces peptides plus précisément, ce sont des bactériocines qui sont produites par les bactéries contre les bactéries au niveau du système digestif. Et donc ces peptides antimicrobiens, soit ils vont être bactériostatiques ou bactéricides, pas contre les bonnes bactéries, mais contre les bactéries pathogènes. Donc, et d'autre part, elles vont stimuler, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elles vont stimuler la production d'immunoglobuline A de type sécrétoire. C'est-à-dire, ces immunoglobulines A, elles vont servir tout simplement à fixer ou à arrêter la progression des bactéries pathogènes. Donc, lorsque cette flore commensale bénéfique tend à s'appauvrir, ou lorsque il y a des agressions externes, les microvillosités intestinales vont se rétracter, et cette rétraction des microvillosités va créer en quelque sorte des portes et qui permettront le passage aussi bien de bactéries pathogènes, de virus ou d'autres molécules, bien sûr de nutriments, mais principalement les virus, les bactéries et les toxines. Donc suite à cet envahissement de... Donc, suite à cet envahissement de l'organisme par les bactéries qui peuvent traverser la paroi intestinale, on va avoir différentes réponses du système immunitaire. Par exemple, les cellules B qui produiront des immunoglobulines afin de nous protéger. Donc, cette réponse des cellules B, d'une part, elle va empêcher la prolifération excessive des bactéries de la lumière digestive, parce qu'on va le voir que lorsque ces bactéries bénéfiques vont proliférer de manière excessive, elles vont causer des torts à l'organisme aussi. Et donc là, on a toujours une régulation qui se fait de manière précise. Et donc la réponse de ces immunoglobulines, ou plutôt la réponse de ces cellules B, elle va permettre de minimiser les réponses inflammatoires des entérocytes au microbiote. Cette réponse excessive, elle peut être stimulée par une bactérie qui a été très bien étudiée. Ce sont les bactéries qu'on voit ici. Elles s'ancrent carrément dans l'épithélium de l'intestin. Et ces bactéries, d'une part... Là, j'ai une microscopie électronique pour montrer l'ancrage de ces bactéries au niveau de l'intestin. Donc, certes, c'est la souris, mais cette bactérie, ce sont les bactéries filamenteuses, les bactéries segmentées filamenteuses qu'on retrouve chez plusieurs espèces. Et donc,
ces bactéries, donc à l'encontre des bactéries qui étaient bénéfiques, j'ai un problème dans ça. Désolée. Donc, ces bactéries, elles peuvent être à l'origine d'une réponse immunitaire. Donc, elles vont stimuler les cytokines, chimiokines pro-inflammatoires. Elles vont servir de barrière antimicrobienne en produisant des molécules citées plus haut, donc qui étaient des bactériocines. Et donc, d'une part, elles sont associées à la réponse innée, pardon, et d'autre part, elles seraient responsables aussi de réponses adaptatives, comme on l'a vu plus haut, c'est-à-dire par la production d'immunoglobuline A, des interleukines, de la stimulation des T-régulateurs, etc. Mais ce qui est intéressant concernant ces bactéries de la flore intestinale, c'est qu'elles ont un double rôle. D'une part, elles peuvent avoir un effet protecteur parce qu'elles vont arrêter les infections locales et périphériques. Quand je dis locales et périphériques, c'est dans l'intestin et à distance. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une infection à distance, il y aura une production et une protection. Par contre, on a pu mettre en évidence les dernières années donc des effets délétères dus à une auto-immunité suite à une prolifération excessive de ces bactéries. Lorsqu'il y a ce qu'on appelle une dysbiose. Donc, ces bactéries, d'une part, ou plutôt ces SSB, renforcent la barrière intestinale et protègent l'hôte contre les infections, mais aussi, elles sont délétères puisqu'elles vont causer des pathologies. Donc, j'ai fait une petite sélection concernant les pathologies qui peuvent être aussi à l'origine mais d'un déséquilibre de ces bonnes bactéries. Donc, celle qu'on connaît très bien, c'est la maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire du tractus digestif. Donc, cette maladie, dans des recherches récentes, elle serait à l'origine due à une prolifération d'une bactérie bien... donc, c'est Fecobacterium. Et donc, la prolifération de cette bactérie suite à une dysbiose qui peut être due à l'origine soit à une réponse immunitaire trop importante, puisqu'on parle ici de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, et ces modifications, ou plutôt ces altérations du système immunitaire, elles sont dues à une altération de l'équilibre bactérien ou de l'équilibre du microbiote. De la même manière aussi, la rectocolite hémorragique. Et donc, ce déséquilibre du microbiote intestinal, qu'on appelle dysbiose, est dû à Fecobacterium prausnitzii qui diminue, ou plutôt qui est diminué lorsqu'il y a une altération de cette bactérie, lorsqu'elle diminue, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, ça favorise, et on a retrouvé ceci chez pratiquement toutes les personnes chez lesquelles l'étude a été faite. En plus, En plus des fragments bactériens, les bactéries vivantes ont été aussi retrouvées récemment dans les tissus adipeux, le foie, etc. Parce qu'on a longtemps cru que les bactéries, soit elles sont dans le tract digestif, soit elles sont sur les surfaces, soit on ne les retrouve pas dans ces tissus que je dirais nobles. Non pas on a mis en évidence uniquement par PCR les fragments d'ADN, mais on a mis aussi en évidence carrément des bactéries. Donc ces bactéries, ou plutôt ces altérations ou ces modifications au niveau du microbiote, elles ont été incriminées dans pas mal de pathologies, comme par exemple le diabète, le lupus, l'autisme, etc. Donc, là, je vais prendre rapidement, c'est qu'on a mis en évidence dans le cas du SARS-CoV-2, qui est responsable de la COVID-19, une association étroite entre
le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire. Et il s'avère qu'il y a une communication entre ces deux populations de micro-organismes, c'est-à-dire l'intestinal et pulmonaire. Et donc, la moindre altération au niveau de l'un engendrerait obligatoirement un problème chez l'autre. Donc, ceci a été principalement décrit chez les gens qui ont des infections des voies respiratoires, donc spécialement les personnes âgées, pardon. Donc le terme est médical, j'arrive pas là, c'est le SDA, c'est-à-dire c'est les manifestations dues à une détresse pulmonaire aiguë. Donc chez ces personnes, on a aussi observé une altération du microbiote intestinal. Et on a mis en évidence une communication cellulaire entre les bactéries, donc aussi bien intestinale et pulmonaire. Un dernier point pour conclure, c'est que tout simplement, actuellement, une nouvelle façon de guérir les gens qui ont des problèmes de microbiote, c'est la transplantation du microbiote fécal. Et donc ceci, des essais ont été faits parce qu'à l'origine, même en Chine, ils servaient ça comme étant des soupes dorées pour les gens qui ont des problèmes de diarrhée, etc. Comme l'a souligné notre collègue de l'université de Berlin, c'est que la nouvelle, j'ai remarqué, vous n'êtes pas, même si je ne suis pas médecin, mais j'ai remarqué dans cette automédication, dès que quelqu'un a un problème, on s'achète des antibiotiques. Et on ne sait pas que ces antibiotiques, dans la plupart des cas, ils vont altérer cette flore intestinale. Et donc, parmi les maladies, ou plutôt parmi les bactéries qui seront incriminées dans les diarrhées, nos collègues médecins le connaissent très bien, c'est le Clostridium difficile. Donc, le Clostridium peut être traité donc, par la transplantation du microbiote fécal. Donc, je réponds, lui avoir plus de temps. Donc, cette technique, comme je viens de le dire, elle a longtemps été utilisée en Chine. Elle est utilisée aussi en médecine vétérinaire. Et pour conclure, donc, l'impact du microbiote sur le développement et le façonnage des réponses immunitaires, il fait l'objet de plein de travaux actuellement. Donc, ces travaux ont démontré qu'il y a une communication, un dialogue qui est vraiment dynamique entre l'hôte et le microbiome. Donc là, quand je parle de microbiome, ce sont tous les microbiotes de notre organisme. Et merci pour votre attention. Je m'excuse.